Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos. Cette semaine je vais commencer par MGS5, je vais continuer l'aventure que j'avais laissé un peu de côté malheureusement, mais bon, là on va essayer de s'y remettre et de finir le jeu au plus vite parce que Dieu sait que le mode histoire est long, et archi long, et je sais pas où j'en suis exactement, mais je crois que j'ai un peu rien fait. Vu qu'on a fait que 5 let's play dessus, donc on va s'y remettre. Je m'étais mis comme objectif d'avoir tous les, comment dire, tous les coéquipiers, et je crois que c'est chose faite. Maintenant on va se concentrer sur la campagne principale. J'ai toujours ma petite manette PC pour pas galérer à jouer avec le clavier là. Ah, qu'est-ce que je foutais là? Ah oui, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Je sais pas pourquoi j'étais venu sur cette map là. Je vais regarder. Attends. On va enlever le marqueur. Voilà. Alors, voir les missions disponibles. Alors, liste secondaire, déploiement de combat, liste d'étage des nains, cassette. Nous on veut se concentrer sur les missions principales. Donc je vais faire une mission principale, mais il faut... Bon, ça par contre c'est sur ma map, mais bon, on n'a pas que ça à faire. De faire des missions secondaires. Donc on va se concentrer sur la mission principale. Donc il faut se barrer d'ici. Donc j'appelle l'hélico. Et voilà. Et je vais lui dire de m'emmener sur l'autre map, les amis. Il y a toujours la musique. Quand il arrive. Allez, on y va. C'est peur, je croyais que c'était un mec qui voulait me jeter de l'hélico. Comme ça. Et à chaque fois il y a un armuré légendaire. Et à chaque fois que je le ramène, il me dit que c'est pas le bon. Il se fout de ma gueule. Oh là là, on va devoir chercher combien de mecs pour trouver le bon en fait. C'est peut-être toutes les récompenses. Oh, S+, Bastard Cobra. Je vais voir si je peux pas. Voilà, je vais les déployer au combat, mes hommes. Putain, mais regardez-moi ça, l'autre là. Je parlais de la meuf. Hein. Ah oui, d'accord, il y a des trucs S et tout. Ah bah non, c'est pas pour eux. Je vais plutôt leur donner ça. Ok, mission principale. Éliminer tous les Walker Gear, déployer au village abandonné de Dittady. Ça va être chaud, mais on va y aller avec Coyote. Donc voilà. Les versions plus développées de vos armes et objets actuels existent. Voulez-vous vous en équiper maintenant? Oui. On va être con pour prendre un autre mec que Snake. Vous êtes bien d'accord? Regardez-moi ces têtes de con en plus. Bon. Je savais même pas que j'avais un char, les amis. C'est que ce bordel. On va pas faire les oufs, on va rester dans la 4x4. Ah, j'ai pas le chien encore. Quand est-ce qu'il va grandir, ce putain de loup, quand même? Moi, j'ai jamais le droit. Et il fait pas d'autre... Il fait pas dormir, celui-là. Hein. On y va, Coyote. Donc par contre, désolé parce que je n'ai pas encore d'éclairage pour ma tête, ça fait que c'est pour ça que tout est sombre ici. J'ai une lampe de bureau en fait, mais elle a un éclairage plutôt chelou. Ça fait que ça met une réverbération jaune dégueulasse. Empreinte de fantôme. Épisode 15, tellement je suis long à faire le jeu quoi. Boss. This contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Dittady Abandoned Village has been supplied with Walker gears. J'ai l'impression que depuis que j'ai arrêté de jouer, c'est écrit de plus en plus petit. Pas pour vous, mais c'était pas aussi petit les écritures. D'accord, à peine arrivé, elle se téléporte direct. Perds pas de temps. Je sais pas conduire. Comme d'habitude, de toute façon. Oh non, elle va recommencer avec ses bruitages chelous. Comme le précédent let's play, vous vous en souvenez. Vous en souvenez sûrement de ces petits bruits chelous. Là, il y a une espèce de petit village là qui va me casser les couilles. Voilà. J'ai essayé de le contourner. Le contournement des familles. Parce que qui ne connaît pas.
Oh merde. Gendarme, suivez-moi. 58 mètres. Donc il m'est lâché un peu de vue là. J'essaie de me rappeler un peu les touches là. Attendez. Ça c'est pour recharger, d'accord, c'est bon à savoir. Ah, il y en a un qui est pas pris, je vais pouvoir le voler. Je vais le prendre dans le dos. Je l'élimine comme je veux, il a dit. C'est qui fait le sniper? Ah, c'est elle. Alors je lui foutre une balle moi-même. Voilà. J'ai même pas besoin de coyote pour faire ça, hein. C'est facile. Donc monsieur, tu n'étais pas habilité à piloter un véhicule. Et moi je vais te le voler. Alors les commandes, parlons-en. C'est pas grave. Des mecs là-bas là? Ah ouais, il y a des mecs. Attendez, je vais me les faire. Mais pourquoi ils regardent tout ça? Ah, ta gueule. Ils m'ont tous gobé en même temps, mais je les ai fait sauter. On nous attend. C'est la merde. On a de lourdes pertes. Bah, ben moi j'ai un putain de robot, alors ne cherchez pas la merde. Combien tu peux en manger, hein? Ah. Ah bah c'est bon, je fais sauter. Alors là c'est pas moi les amis, franchement. Ah. Ils sont là. Venez les amis. Bonjour. Mais non! Je vais les taper au corps à corps. À croire qu'on peut pas. Il semblait qu'on pouvait foutre des coups de pied quand même. Oh, ça lag. Oh non! Siffé. Ouais. Ok, c'est bon. Mec, il s'en est un peu pris plein la gueule, mais c'est pas grave. Et ouais, t'es con. Désolé. Non. Ah mais il est mort. Ça a dû être Coyote. De toute façon, quand j'arrive pas à sniper, elle est là. Quitter la zone de danger, moi depuis tout à l'heure je cherche encore des gears. Oh, quel TB. Bon bah on se barre. Ah, merde. Il y avait quelqu'un? Ah, j'avais pas... Heureusement qu'il a crié parce que franchement j'allais me barrer sans lui. Ah, désolé mec. T'es pas entendu. Mais de rien, de rien. Il a du bleu blanc rouge sur lui. C'est peut-être un ressortissant français. Toi tu viens pas avec moi, désolé. Voilà. Adieu. Nickel, dans le code Butterfly, rang B. Ok. RT ennemi déclenché, une. Boss, on va voir la suite. Once you'd eliminated those walker gears, a resupply call was made from Dutati to CFA headquarters. The CFA then contacted none other than Sanger. That's right, the shell company that owned Mvinda Oilfield. Je te le donne. So Sanger was just a front for Cypher. The resupply won't be happening just yet. But we did learn that the walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently, there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts. I'll have the intel team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with walker gears, the
PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. Boss, the intel team has come back with its report following its investigation into PF logistics. Cypher has to be involved with this distribution network somehow. One thing in particular caught my eye. A convoy that regularly crosses the Savannah. On paper, it's just mine resources going to the government, but the security's much too heavy. Ils m'ont fait venir comme ça. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. Oh là là, y a tout le monde qui m'attend ou je rêve là. Eh ben les gars, je suis honoré, quel accueil. Merci, toi aussi. C'est comme ça qu'on se salue quand on est un bonhomme. Merde. Alors, ça va tranquille la famille? De rien pour la tatane. T'en veux une toi aussi? Voilà. Bon, à la douche. C'est bizarre, ça a direct fermé sa gueule hein, quand je suis venu. On n'est pas des gardiens de zoo hein? Faites ce que je demande, compris? Tiens, c'est pour avoir dit ça. Par contre, le mini-zoo, je sais pas, ils en parlent, mais ils me disent jamais où c'est. Petits enfoirés. T'as vu, tout le monde en parle, mais moi je suis pas au courant d'où ils sont. C'est que éliminer une unité à chaque fois, quoi. Mais non. Comment ça se fait que je peux pas... Vas-y, je peux l'appeler. Oh! Fully trained and ready for action. Rest is up to you. Didi, go! Oh, je suis trop content, putain. Ah, je l'attendais celui-là. Ah, comment il se la pète. C'est parce qu'il a un cabot. Content là, hein. Content d'être dans l'hélico, hein. T'as intérêt à te tenir à carreau. Non, en fait, lui, ce qui est bien, c'est que il détecte les ennemis à longue distance. Vous pouvez maintenant développer des équipements pour D-Dog. Oh, je suis trop content. Au moment où je parlais de lui, je le cherchais partout. Je me casse, il me le donne. Ok. Je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Ça y est, il va nous faire un monologue. Comme ça, il va vous expliquer. Dès qu'il regarde. Pour repérer les mines et les plantes médicinales aussi. Ouais, c'est pas bien compliqué quoi. C'est un détecteur le chien quoi. C'est comme dans Mad Max. Ah oui, il est devant. Il est devant en train de baver là. Je vais peut-être lui développer des trucs si on peut. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour le chien? D-Dog. Ah mince, tout est bloqué. Normal, j'ai rien fait avec lui encore. Donc je ne peux pas vous mettre mes musiques perso, l'autre fois j'ai fait la connerie et j'ai eu des problèmes de droits d'auteur sur la vidéo, donc je ne vous mets pas de musique personnalisée. La caravane des traites, extrait la cargaison qu'une SMP transporte apparemment en guise de paiement pour Cypher, vous devez récupérer la cargaison avec le camion de transport. D'accord. C'est encore en Afrique, il va s'amuser le petit. Bon, choix du perso, non. On a pris la tenue plus lourde pour faire bonne équipe, enfin bon partenaire avec le chien. On garde le véhicule discret. Coéquipier, on garde D-Dog. Désolé pour Coyote, tu t'es fait voler la vedette. D-Dog, c'est de loin mon préféré, et après c'est Coyote. Attendez, est-ce que je l'ai amélioré du coup? Ouais, je l'ai amélioré. Ça a déjà pris en compte, de toute façon. Bon, dès que possible. Le chien, il est chaud, il est baveux. Tout ce qui...
objective is to steal an entire truck from a PF convoy. D'accord. Je crois qu'on va la faire dans le prochain display, Zemi. Faut pas que ça dure trop longtemps. Ah, t'es chaud. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your iDroid. Okay. Et on y va le chien. Tu peux monter dans la 4x4 avec moi si tu veux. Oh si si, il est chaud. Oh tranquille quoi. Ok. Il est posé, il est bien. Il est posé. Au calme. Ah, par contre, j'ai imité que possible, mais j'aurais pas préféré la nuit. Enfin la nuit ça m'arrange, surtout le chien aussi je pense. On va couper les phares. On va se faire griller. Ah, animal repéré. Oh, mais fais comme si t'avais rien vu. Ça aussi, t'as rien vu. Le chien il doit se dire c'est quoi ce chauffard, putain. C'est quoi ce maître de merde. Pourquoi c'est lui mon maître. Non, tu te calmes parce que tu vas nous faire griller sinon. Bon bah les gens, je crois que cette mission on va la faire dans le prochain let's play. Et si je la fais vite dans le prochain let's play, on enchaînera avec une deuxième. Parce que là j'ai un peu perdu de temps avec la Mother Base. Donc je ne sais pas à combien de temps on est encore de vidéo. Regardez comment il se déplace. Oh, stylé. Il fait bien le mec et tout, il est pas là en fait. Il me suit mais il est discret. Ça j'aime bien. Donc attendez, je vais regarder si c'est la fin de cette vidéo. Oh, regardez, on peut lui faire des câlins. Ouais, c'est un peu chelou, hein, déjà que tu lui as mis une main au cul. Ça se caresse sur la tête, les chiens, quand même. Donc, les amis, j'ai regardé le temps de la vidéo sur MGS, et j'ai le regret de vous dire que c'est terminé. J'ai encore plein de trucs à vous dire, là. Je profite de cette vidéo pour vous informer que, en gros, je vais faire une FAQ, parce que... Enfin, une FAQ... Une FAQ, parce que ça fait con de dire FAQ. Donc il me manque plus que 3 abonnés et je comptais la lancer à 50, donc il m'en manque plus que 3. Et je comptais pas, enfin je pensais pas avoir autant d'abonnés, déjà 50 c'est déjà pas mal pour moi. Donc je vous en remercie et vous pouvez poster vos questions sur mon compte Twitter ou sur l'onglet discussion de ma chaîne, comme j'ai dit sur mon Twitter. Vous pouvez me poser toutes sortes de questions, même des questions intimes, m'en fous, des questions personnelles. Si ça reste dans la limite du raisonnable, bien sûr, me demandez pas, on joue pas Action Vérité quand même, me demandez pas de faire des trucs de fou. Donc comme d'habitude les gens, n'hésitez pas à me lâcher le pouce bleu des familles, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez que je fasse des vidéos sur Garry's Mod, parce que je l'ai, oui je prévois d'en faire, si vous voulez que je fasse des vidéos sur Rust, pouce bleu si vous voulez que je fasse que je continue les vidéos sur Yann Deré, pouce bleu si vous voulez que je continue MGS, pouce bleu si vous voulez que je ferme ma gueule aussi. Bon, sur ce les amis, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner aussi, très important.